On peut dire qu'à partir de ce soir, nous sommes heureux de lancer l'entente Terrasson Le Larda pour toute la formation, des U14 jusqu'au U19, en passant par les filles. Donc ça a mis du temps, on a passé des mois, des semaines à en parler, à tout finaliser, à trouver un staff pour chaque catégorie. Et donc voilà, aujourd'hui on est heureux d'avoir rempli ce contrat. Et maintenant, on peut préparer sereinement la saison prochaine pour que cette entente, en fait, elle soit forte dans notre région, dans notre local. Voilà, on ne fait pas une entente pour faire une équipe comme ça, pour être juste avoir des jeunes. Non, on veut faire des équipes compétitives et qu'on parle de cette entente. Parce que ces jeunes qu'on va former dès demain, eh bien, dans quelques années, eh bien, ils vont alimenter nos équipes seniors. Et comme ça, nos deux clubs vont pouvoir grandir. Donc, moi, je suis heureux en tant que représentant des présidents ce soir, parce que mes deux compères ne sont pas là. Donc, je vais passer la parole au président du Larda. Voilà, qui vont... Merci de nous accueillir déjà. Ça commence mal, parce qu'il y a plus de blocs noirs. Alors là, dans la dérive... Non, je plaisante, il y a un an, plus d'un an, on s'est vu par visio. La première fois, Benoît Pincivy était en Égypte. On a partagé des écrans. On a partagé des écrans pour savoir ce qu'on allait faire. Ça a avancé. Aujourd'hui, on scelle le truc. Alors c'est vrai qu'on a déjà été en entente. C'est pas nouveau. Mais que les deux clubs, c'est nouveau. Historiquement, c'est la première fois depuis l'histoire des deux clubs qu'on est en entente en jeunes, simplement Terrasson et Le Larda. Voilà. Donc, on va travailler, on va dans l'esprit sportif et rugby. Et puis, je sais pas, c'est les co-présidents, si vous avez un petit mot à dire. Je tenais à remercier tous les gens qui sont là et qui font. Adhère aussi à ce projet-là auquel je crois beaucoup et on croit tous beaucoup. C'est vrai que ça fait un peu plus d'un an qu'on en parle. On avait déjà entamé un petit rapprochement avec l'U14 et aujourd'hui on fait un grand pas avec les cadets juniors qui sont des années très 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 importantes pour l'avenir de nos deux clubs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit aussi bien Terrasson que le Larda, on s'est cherché un peu dans ces catégories. Et aujourd'hui, on met un grand espoir. Et voilà, c'est un projet sur plusieurs années, parce que c'est ce qui va construire le reste du club, de nos clubs pour les années à venir, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'aller chercher des garçons plus tard. Et c'est ces générations U14, U16, U19 qui sont très très importantes. Donc on a la même envie et c'est aussi ça qui nous a rejoint là-dedans. Il y a un travail qui a déjà été fait énorme de la part de Terrasson et qu'on s'est permis de regarder d'un peu loin, mais tout en étant un peu proche aussi, et parce qu'on y croyait. Et voilà, aujourd'hui c'est parti, on est persuadé que ça va fonctionner. Il y a eu un gros travail de la part de mes autres collègues présidents, parce que moi je m'en suis occupé, pour faire venir des gens, ils ne sont pas tous là aujourd'hui, et pour qu'on ait aussi des représentants comme vous, Terrasson, a aussi des représentants à tous les niveaux, et ça c'est important. Et maintenant, on est tous ensemble, et je suis persuadé que ça va fonctionner, et que voilà, ça va tirer tout le monde vers le haut, et que dans quelques années, on aura peut-être aussi les deux équipes seniors au même niveau, et ça pourrait faire des beaux derbies. Et moi, ça me plairait bien quand même. Voilà. Pato, aussi toi. Je pense que l'essentiel a été dit. Quand on parle le dernier, c'est toujours comme ça. Je crois que ce projet est quelque chose de très important pour l'avenir rugbystique dans le bassin. Je suis persuadé qu'on a les deux clubs, et par le fait de cette entente, on a une place à en prendre entre ce Brive, il y a l'Arche, c'est Côte d'Azur. Mais bon, ils ont leur petit monde à eux, depuis ça fait longtemps qu'ils fonctionnent ensemble, on l'a bien vu, parce qu'on a eu du mal quand même à pouvoir se rentrer dans leur entente. Et puis après, Terrasson Larda, et puis après, il y a Saint-Périgueux. C'est très lissac.
Donc on a tout intérêt à être fort, à se rassembler et de pouvoir justement s'étendre. Je pense qu'il y a des choses à faire, notamment sur les hauteurs, un peu là où il n'y a pas de club de rugby, quoi, parce que Montignac est sur Sarva. Donc nous, on a une grande place à prendre. Et puis on a la chance aussi que Terrasson ait un collège et un lycée. Donc c'est là où aussi où on doit beaucoup travailler, c'est sur le niveau des écoles. Et la fédération met l'accent notamment pour qu'on puisse rentrer, nous les clubs, dans ces lycées, parce que c'est l'avenir de rugby, elle est là. Et puis avec cette Coupe du Monde qui arrive en 2023, je pense que là, on est déjà prêt, quoi. On est déjà prêt à pouvoir recevoir par longtemps un afflux, on va dire, de nouveaux joueurs et joueuses. N'oublions pas les filles. Voilà, donc c'est vrai que ça a pris un peu de temps à se mettre en place, mais c'est surtout pour trouver des gens. Parce que pour mettre des gens dans le staff, tout ça, c'est pas toujours facile. Hein, et trouver des bénévoles qui veulent s'engager, alors merci à vous de vous engager, parce que vous êtes la plupart là. Pour l'avoir fait pendant plusieurs années, c'est du boulot, hein. C'est du boulot, mais c'est très intéressant aussi à faire. Alors je vous souhaite plein de réussite à vous, et puis à cette entente, et puis vive le rugby. Voilà. Voilà, il y a un petit supplément d'âme qui nous a rejoint. Voilà, il y a eu une petite idée qui a été germée des deux clubs. Nous avons demandé à M. Guy Rougerie, qu'on connaît bien, qui habite Terrasson, qui boit quelques cafés de temps en temps à une terrasse, qui rencontre des terrassonnais, voilà. Et puis bon, il son appartement sur l'Ardin, puisqu'il a joué au Lardin, voilà, et qui va peut-être nous servir aussi de référence spirituelle, sportive, et puis aussi une approche et une relation peut-être avec le grand club en noir et blanc qui n'est pas très loin, puisque Guy s'occupe est au comité directeur de Brive, du CAB, Brice Corrèze. Et donc voilà, plus on est de fous, plus on rit. Je crois qu'il sait faire les deux. On va essayer. Donc je te laisse la parole. Bienvenue encore. Ben, il n'est pas utile que je me présente plus en détail. Effectivement, je suis terrassonné depuis ma mise à la retraite. Je suis natif du Lardin. J'ai appris à jouer au rugby au Lardin. Je suis parti en région parisienne. J'étais chef d'entreprise près de Paris. Je fête cette année, en gros, les 50 ans d'implication dans le monde du rugby en tant que dirigeant. J'ai fait partie du comité de l'Île-de-France durant plusieurs années et j'ai créé, il y a près de 40 ans, une école de rugby en région parisienne. Lorsque je me suis retiré, je ne vous cache pas que j'ai été abondamment sollicité. Comme j'avais une expérience en tant que dirigeant, Brive m'a mis le grappin dessus. Et si j'ai accepté de rejoindre ce club, c'était avant tout justement pour apporter ma pierre à l'édifice dans le monde de la formation. J'étais sollicité pour rejoindre au niveau de toute la partie communication, la partie pro, ça ne m'a pas intéressé. J'ai préféré m'impliquer dans le monde de la formation et j'ai eu la chance, le privilège de côtoyer de grands, de très grands éducateurs. Jean-Marie Soubira, Christian Badin, qui a œuvré ici d'ailleurs. Christian Badin, durant quelques années, a fait de la formation à Terrasson. Donc j'ai eu le privilège de côtoyer des gens de grande valeur qui faisaient de l'éducation réellement une démarche indispensable. Alors, je ne vous cache pas que depuis des années, ce projet d'entente, j'en ai souvent parlé. Certains ici peuvent en témoigner. Le projet est séduisant. Ce qui est important, c'est d'en assurer la pérennité. Avoir la volonté, dans le temps, de développer la formation. Après, vous, éducateurs, nous, dirigeants, nous ne sommes pas maîtres du destin des joueurs que nous formons. Les meilleurs
ne défendront plus les couleurs terrassonnaises ou lardinoises, ils partiront peut-être à Brive ou dans d'autres clubs. Et ce qui est important, c'est justement aujourd'hui de planter les jalons d'une démarche sur du long terme. Et si j'ai accepté de rejoindre ce projet, c'est essentiellement dans cet esprit-là. Bon, on vient de vous dire que j'avais quand même d'autres occupations rugbystiques. Je fais partie du comité directeur du CA Brive, ça nous prend du temps. Je suis de très près la formation. Et je dois dire que la proximité de ce grand club doit être exploitée à des fins éducatives. Moi, aujourd'hui, sous notre houlette, nous avons un directeur sportif qui s'appelle à Brive Sébastien Bonnet. Ce garçon a une ouverture d'esprit extraordinaire. Il est très ouvert à la ruralité, au rugby autour de Brive. Et si on peut effectivement créer des passerelles, ça peut se faire sous un tas de formes. Il y a quelques années, moi j'avais invité une jeune équipe de Terrasson et du Lardin à un tournoi national à Brive. Et bien ce jour-là, par exemple, les petits Terrassonnais, les petits Lardinois, ils ont côtoyé M'Tamak, qui était présent sur ce tournoi. Et ils ont pu jouer contre des équipes professionnelles, enfin des écoles de rugby, d'équipes professionnelles ou Pro D2 ou Top 14. Eh bien, c'est important d'entretenir ce type d'échange. Et moi, je m'y emploierai, personnellement. Et j'aurai certainement pas de difficulté à convaincre Sébastien Bonnet, justement, de nous apporter son aide. Et nous avons vraisemblablement un intérêt certain d'être à l'écoute de ces personnages qui ont une grande connaissance du rugby. Et vous n'êtes pas sans savoir que le rugby aujourd'hui n'est plus une science exacte, mais c'est vraiment une discipline exigeante au possible, qui implique une formation ô combien importante de l'encadrement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on ne peut plus remettre à des éducateurs non diplômés la formation d'enfants qui bien souvent ont des notions très élémentaires du jeu, n'ont pas encore acquis les bases. Et si on veut intéresser le plus grand nombre de jeunes à pratiquer cette discipline, il faut le faire effectivement jeune. Alors j'en terminerai, moi, en souhaitant longue vie à cette entente. Comptez sur moi, j'épaulerai cette entente à chaque fois que je serai sollicité. J'essaierai, en ce qui me concerne, d'assurer, je dirais, la communication, qui est très importante aujourd'hui. Il faut qu'on fasse connaître ce désir de partage, d'échange. Et on amènera ainsi le plus grand nombre possible de jeunes à pratiquer ce rugby à Terrasson et au Lardin. Donc, longue vie à cette entente. Et merci pour tous les éducateurs qui vont se dévouer à cette cause commune. Merci. Deux petites minutes. Je vais demander aux éducateurs un peu qui se présentent, en commençant par les U14, venir se présenter. Vincent. Nico. Ce sera nos éducateurs et administratifs de la catégorie U14 avec Vincent Mazel du Lardin, Julien Goumi de Terrasson et Nicolas Foira du Lardin. Les U16, Théo. Je vais derrière. Voilà l'encadrement des U16 avec Théo Chambouliv de Terrasson, qui est aussi notre coordinateur sportif. Pascal Pouyadou, Muriel Pouyadou, administrative, Quentin Floira du Lardin et Frédéric Maton de Terrasson. Non, Flo n'est pas là. Mais ouais, Flo n'est pas là. C'est pareil, c'est junior. Pas là. Pour les juniors, eh bien, du coup, Donc Frédéric Mons, Terrasson, avec Nasser de Terrasson, administratif. S'il manque Florent Barou, du Lardin. Et
avec Madame Barrault. Madame Barrault, oui. Aussi, qui sera administratif. Voilà. Et il y aura en parallèle. Jackie. Il y a Jackie. Il est là, Jackie. Je cache. Jackie. Et donc il y aura Jérémy Gijard qui joue en senior à Terrasson, qui va passer sa formation et qui viendra épauler de temps en temps le staff des juniors. Bravo. Ensuite on a le pour les filles, la section filles. Jérôme Carbonel et Patou Barrière, de Terrasson. Daniel Laroche, administratif. Et Benoît Jaille, administratif. Voilà. Pour les filles. On a Denis qui va nous représenter, nous. Théo, USB et son pendant bleu, voilà. Théo, voilà, donc voilà. Ils vont un peu s'occuper de nous administrativement et puis communiquer entre eux pour les passerelles. Voilà. Voilà. C'est ça, voilà. Merci à vous les gars. Bon, mais je vous remercie et bien on va pouvoir aller trinquer cette nouvelle entente qui j'espère va faire parler d'elle dès la saison prochaine. Voilà. Merci. 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 Merci.